Notre histoire commence dans les années 20, avec peu de temps auparavant, l'apparition des premières sociétés d'horticulture pour encourager le goût des plantes et parallèlement le développement du tourisme français et européen qui commence à utiliser les transports ferroviaires. Le premier concours lancé a justement été celui des gares fleuries pour encourager les chefs de gare à fleurir leur établissement et également les hôtels étant donné que c'était les premiers lieux d'accueil. Fort de ce succès, ça a été le tour des villages coquets et des premiers circuits des routes fleuries. C'est en 1959 que démarre le concours des villes et villages fleuries grâce à une initiative nationale. Le Conseil national des villes et villages fleuries a pour rôle l'organisation, le développement et la promotion du label. En fait, il en est le garant. Le label Ville et Village Fleurie est un outil au service de l'attractivité des communes et de la qualité de vie des habitants et des visiteurs. Au-delà d'une simple récompense officielle, le label Ville et Village Fleurie est une référence de qualité d'accueil des visiteurs, de qualité de vie des habitants et de bien-être des personnes qui fréquentent la commune. Aujourd'hui, nous parlons de label et non plus de concours, car nous ne souhaitons pas mettre en compétition les communes les unes avec les autres. Ce qui compte avant tout pour une commune, c'est réellement de s'engager dans une ambition qui est portée par une équipe municipale, une ambition globale de valorisation de son territoire communal. Selon une étude menée récemment, 93% des habitants des communes non labellisées souhaitent que leur commune s'engage dans une démarche de labellisation Ville et Village Fleuries. Le label, aujourd'hui, ne vient pas récompenser uniquement une démarche esthétique, une qualité esthétique du fleurissement, mais bien une démarche globale dans laquelle s'engage la commune. Les valeurs essentielles portées par ce label sont importantes. Il y a d'abord la qualité de vie des habitants et des visiteurs qui fréquentent une commune. Le deuxième enjeu du label est celui de l'attractivité des communes. Une attractivité à la base touristique qui est devenue ensuite économique, puis résidentielle pour attirer les habitants sur les communes. Le troisième enjeu est celui de l'environnement et de l'écologie urbaine, puisque cet enjeu est apparu dans les années 80-90 et que nous l'avons complètement intégré dans le label. Le quatrième enjeu est un enjeu social, puisque les actions portées par les communes ont un impact sur le bien-être des habitants. Avec le label Ville et Village Fleuries, la nature et l'environnement entrent dans la ville. Naturellement, quand on arrive dans une ville ou un village fleuri, notre attention va se porter sur plusieurs points. Bien sûr, le végétal, ensuite l'espace paysager et la qualité et son niveau d'entretien, mais aussi tout ce qui va concerner la biodiversité. Nous demandons au maire quelles sont ses motivations qui fait qu'il participe au label et entraîne aussi ses services dans ce plus haut niveau de label, j'entends pour les quatre fleurs par exemple, car c'est une façon de valoriser son territoire. C'est une démarche globale qui doit impliquer l'ensemble des acteurs de la mairie, élus et services. La promotion et la participation des habitants est extrêmement importante, car si on fleurit sa commune, c'est tout d'abord pour la population, pour les visiteurs aussi. L'évolution de la nouvelle grille mise en place par le CNVVF va nous permettre de juger de façon plus précise l'ensemble des points abordés lors de la visite. Le CNVVF a créé cet outil d'évaluation qui est intéressant parce qu'il sera commun à tous les jurys, le jury départemental, le jury régional et le jury national. Nous allons tous travailler sur cette même grille et donc il y aura plus de justice dans l'attribution du label puisqu'on jugera sur le niveau une fleur, deux fleurs, trois fleurs et quatre fleurs. Malgré ces nombreux critères qui sont tous très importants, les communes doivent absolument garder leur identité, leur authenticité à travers un paysage existant qui leur est propre et qui au fond raconte aussi leur histoire.
Donc c'est très important pour nos communes de garder cette personnalité. Nous attendons qu'une commune nous fasse rêver, qu'elle nous surprenne par sa créativité, tout en gardant son authenticité. Autant de prix à remettre que de paysages nouveaux à découvrir. Nous avons créé récemment un nouvel outil d'évaluation qui permet aux membres du jury d'avoir un outil plus objectif et qui permette d'évaluer la commune à partir de la première fleur vers la quatrième fleur en passant par la deuxième et troisième. Le label Ville et Village Fleurie est réellement un outil pour que les communes puissent suivre une feuille de route pour arriver à engager cette démarche globale de valorisation paysagère de leur territoire. Est un investissement, et c'est le bon. Dans un contexte croissant de compétitivité des territoires, les communes labellisées se donnent les moyens d'une image et d'un environnement de qualité favorable à l'attractivité des territoires, qu'elles soient résidentielles, touristiques ou économiques. Le Conseil national des villes et villages fleuris se remet sans cesse en question pour améliorer les outils de labellisation, assurer son harmonisation, fédérer les synergies, épauler les communes dans l'évolution du label et leur rappeler que parfois, avec une volonté affirmée et un peu d'ingéniosité, on peut suppléer le manque de moyens.